Bonjour, je suis Jean Desjardins, conseiller technopédagogique au Collège Sainte-Anne. Je suis en compagnie de Jonathan et William. Ils apprennent en cinématique secondaire 3 par l'entremise du jeu Bridge Constructor. Les gars, vous apprenez en science avec un jeu. Oui, donc le but du jeu, c'est de construire des ponts et de pouvoir faire traverser des camions selon différents contextes. Donc, apprendre la physique en secondaire 3 par le jeu. C'est quoi la pertinence, l'utilité de ça, selon vous? Pourquoi apprendre par le jeu? Dans le fond, c'est que de nos jours, la technologie fait vraiment partie de nos vies. Et c'est une manière plus divertissante, comme plaisante et amusante pour apprendre, selon moi. Ça vous permet, au fond, je m'en doute, de voir la théorie autrement, de l'appliquer dans un contexte simulé. Vous ne pourriez pas présentement construire des ponts, mais dans le jeu, tout est possible. Oui, oui. Donc, quand on sait que les ponts, c'est beaucoup les triangles qui font que pour n'importe quelle structure, les triangles, c'est très solide. On peut voir ici que le triangle ici résiste bien, mais que sur cette poutre ici, il y a beaucoup de poids, donc ouais. C'est devenu très rouge. Le pont n'a pas cédé, mais ça l'a résisté quand même. Donc là, on vient de gagner des points. On forme peut-être à Sainte-Anne les futurs ingénieurs du pont Champlain. Nos élèves cinématiques sont prêts. Merci beaucoup les gars, puis j'espère que vous aurez d'autres occasions d'apprendre par le jeu en classe cinématique. C'est bon.